Nous allons illustrer le quart d'un tout. Voici notre tout. Comme l'indique le dénominateur, le chiffre 4, nous allons séparer notre tout en quatre parties égales. Comme le numérateur l'indique, le chiffre 1, nous allons prendre une partie de ce tout. Voici donc la représentation du quart de notre tout. Illustrons maintenant le 1 sixième d'un nouveau tout. Voici notre tout. Comme le dénominateur l'indique, nous devons séparer notre tout en 6 parties égales. Le numérateur, le chiffre 1, nous indique que nous prendrons une partie de ce tout. Voici donc l'illustration du 1 sixième de notre tout. Illustrons maintenant les 5 sixièmes du même tout. Puisque le dénominateur est 6, nous partagerons notre tout en 6 parties égales. Le numérateur, le chiffre 5, nous indique que nous devons prendre 5 parties de ce tout. Voici donc l'illustration des 5 sixièmes de notre tout.